Donc voilà mes pépites de chocolat, on se retrouve avec un petit colis. Alors oui, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert parce qu'en fait j'ai commandé pas mal de choses en même temps et je voulais vérifier ce que c'était. Et bien évidemment, sinon ça aurait été carrément bête que je vous cite le nom au début de la vidéo si je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dans le colis. Donc là, en fait, c'est un des t-shirts du Pure Post Tour 2016. Donc moi j'ai vraiment kiffé sur ce t-shirt. Donc ce qu'il faut savoir. Excusez-moi. Je vais essayer de ne pas mourir dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, mes vêtements, depuis un mois ou deux, je les achète que sur AliExpress. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup, même si c'est pas du vrai. Même si c'est pas du vrai, sincèrement, ça vaut extrêmement le coup. Si on s'y prend bien, on peut avoir les choses vraiment à l'identique que les vraies marques. Comme ce t-shirt ou le t-shirt de Yeezy que je vous avais présenté avec I like Phil Pablo, je sais pas, un truc comme ça. Donc voilà, donc franchement ça vaut extrêmement le coup. Par exemple ce t-shirt là, si je me souviens bien, je l'ai payé 12 euros je crois. Alors qu'au Pure Post Tour, je crois qu'il était aux alentours, si je me trompe pas, parce que j'ai pas forcément regardé. Aux alentours de 35 voire 45 euros, je crois, un truc comme ça. Je suis pas sûr, hein, donc rectifiez-moi si je me trompe. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'ai un petit message avec Hip Hop Battle Store. Ok, je le lirai plus tard. C'est pas voilà. Donc celui-là, par contre, c'est officiel. Hein, c'est vraiment officiel. Hop. Donc il est beige, vous pouvez voir. Donc vous pouvez voir qu'en fait là c'est bien marqué Pure Post Tour ici. Pure Post Tour en grand, Justin Bieber 2016. Donc vraiment stylé, j'adore vraiment l'écriture et tout. Bah d'ailleurs, regardez, c'est la première vidéo que vous voyez avec l'écriture, enfin mon nouveau tatouage Pure Pose que j'ai marqué ici. Alors oui, oh ça y est, il a fait un tatouage Pure Pose, nanani nanana. Ouais, c'est sûr, je m'inspire aussi des tatouages. Lui, il a marqué Patience ici. Moi, j'ai marqué Pure Pose, d'une parce que bah, c'est la première fois que j'ai été voir Justin en concert, c'est sur cette tournée-là. Et de deux, et c'est plus la première raison qu'autre chose, c'est la signification du mot. Ça veut dire objectif. Et objectif, c'est très important d'en avoir dans la vie. Et je trouve que ce mot, il me représente assez bien parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'objectifs en tête dans la vie. Et voilà, j'avais envie de l'avoir sur moi. Et je l'ai écrit avec la calligraphie du Pure Post Tour. Donc, me dites pas, commencez pas à critiquer ou quoi que ce soit. De toute façon, vous n'avez rien à dire dessus puisque c'est ma peau. J'en fais strictement ce que je veux. Et donc, l'arrière, My Mama Don't Like You Bieber. Je kiffe vraiment comment c'est écrit. Donc je l'ai pris en taille M, je ne l'ai pas encore essayé comme je vous ai dit. J'adore vraiment la couleur, le beige est extrêmement beau, ça va super bien avec l'entourage blanc et le rouge qui est à l'intérieur du Pure Post Tour avec Justin Bieber 2016, voilà, et Mama I Don't Like You Bieber, voilà, vraiment stylé de ouf. Alors c'est une coupe basique, c'est pas du tout oversize, bon du coup bah, ça va être un peu ample parce que c'est du M. Donc bah voilà, je vais l'essayer tout de suite et je vais vous dire ce que j'en pense. Je ferai pas du tout de tenue par contre pour cette pour ce comment dire ce t-shirt. Si vous voulez en voir, c'est tout simple, vous venez me suivre sur Instagram. Il y aura sûrement extrêmement beaucoup de photos avec ce t-shirt. Et donc voilà, je partage vraiment tous les jours des photos de mes tenues, etc. etc. Donc venez si vous voulez des photos avec ce t-shirt là. Donc je reviens et je vous teste ça. Les amis, c'est vraiment très agréable à porter. Très très agréable à porter. On peut voir que les manches sont un peu plus grandes que des coupes classiques. Ça va limite jusqu'au coude. Donc ça c'est plutôt classe. Le Pure Post Tour est très bien centré sur les pectoraux, la cage thoracique. Et Justin Bieber, il est très très bien centré aussi. Je me tourne, vous pouvez voir. Voilà les détails. J'espère que vous voyez bien. Alors, ce qui marche beaucoup avec ces couleurs-là, le beige, c'est le gris. Le gris qui marche beaucoup. Le militaire, genre si vous avez une petite veste militaire ou quoi que ce soit du style militaire, ça va très très bien passer avec. Le blanc, bien évidemment. Le rouge, comme vous pouvez le voir ici. Le noir. Sinon, après le reste, je sais pas trop, je pense pas.
à tester. Hein. De toute façon, je pense que on peut essayer. De toute façon, on perd rien d'essayer. Donc voilà. Vraiment, il est super bien. J'aime beaucoup comment il est. Il est super beau. Il taille bien. Il va vraiment très très bien. Alors pour ceux qui veulent ce t-shirt-là sur AliExpress, bah, c'est très simple de trouver. C'est celui qui est le plus en vente sur AliExpress. Donc voilà, moi j'ai eu vraiment le plus bas prix. Donc 12 balles. Pour le moment, c'était en tout cas le plus bas prix. Voilà les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres vêtements, forcément. Je vous fais plein de gros bisous. D'ici là, portez-vous bien. Travaillez bien en cours pour ceux qui sont encore en cours. Bonnes vacances si ça tombe pendant la période de vacances. Bon Noël si ça tombe pendant la période de Noël, mais je pense pas. Je vous retrouve très très bientôt. Peace, mes pupilles de chocolat, je vous kiffe à la mort. Peace, patience.